Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Boléro bien évidemment et vous allez voir ce qu'on va faire. En fait, on va passer un petit après-midi bien sympathique, enfin surtout pour lui. Et voilà, je voulais m'excuser pour ce manque de vidéos sur YouTube. C'est vrai que j'ai été un petit peu démotivée ce dernier mois parce que avant la chaîne marchait vraiment bien. Et aujourd'hui, ben, y a un peu moins d'engagement, donc c'est vrai que ça prend énormément de temps et du coup je me suis un petit peu démotivée. Puis j'ai eu pas mal de choses personnelles à régler également, donc ce qui fait que j'ai mis un petit peu en pause YouTube. Et j'espère que vous serez présents pour la suite des aventures parce que le projet qu'on a lancé au début de l'année se concrétise très très bientôt. Mais je ne vous en dis pas plus. Du coup là je suis en train de balader Syra. Je suis désolée, je parle du nez parce que je suis un petit peu malade. Mais en tout cas elle se régale. On est allé se balader avant le repas parce qu'après je vais embarquer Boléro et puis on part pour l'après-midi. Donc au moins elle sera sortie un petit peu avant de rester à la maison. Et tout simplement je vais sortir Boléro aujourd'hui parce qu'en fait c'était prévu à la base qu'on embarque dans le van, qu'on aille faire une balade et tout ça. Mais au final ça s'est annulé au dernier moment. Mais du coup j'ai cherché une solution pour me replier. J'ai trouvé cette solution et Boléro il va kiffer sa vie cet après-midi. Voilà, le poney est tout prêt avec ses protecteurs de transport, c'est la première fois qu'il les met. Enfin, je l'ai mis hier pour s'entraîner mais il est trop mignon. Trop fier de lui. Ça y est, on a fermé. Oh, trop chaud. Bon, plein de rebondissements, je pars à peine. En fait, il y avait un énorme guêpe dans le van, du coup on a dû le débarquer, le rembarquer, du coup il voulait plus embarquer, enfin bref. Catastrophe, mais là ça y est, on est parti. On est bien arrivé et tout trempé, bichette. C'est pas où on est. Mais où sommes-nous? C'est trop beau. On va dans le box, Minou? C'est trop beau. Et du coup, on est arrivé chez Julie, de chez Equidéforme. Je vous mettrai... le petit lien, et lui il a trouvé le foin, donc tout va bien. Tu inspectes les environs. Tu surveilles les doggies. Et coucou vous. Cet endroit est vraiment magnifique. Et regardez-moi cette peinture à l'entrée. C'est vraiment sublime. Je suis émerveillée. Et là, regardez ça. Oh là là, ce chemin. Il est tellement pépite. Et là, il y a mon gros qui est en train de manger son petit foin, tranquillou. Ça va, mon chat? Moi, que t'es beau. Du coup, j'ai vu un petit peu avec Julie. Donc, Julie, elle fait tout ce qui est massage et tout. Elle va le masser au niveau du dos, surtout. Enveloppement chaud et peut-être un petit peu de bassin en fonction de s'il veut rentrer dedans ou pas. Peut-être qu'il ira là-dedans après. Oh là 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 là. Ça me fait rêver, je vous jure. C'est incroyable. Peut-être qu'il y en a qui vont me demander le lieu, du coup, donc c'est à Aigues-Mortes et c'est Equidéforme. Du coup, je vous mets le logo juste ici, également le compte Instagram juste là. Et comme ça, si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez aller poser la question directement à Julie ou quoi. Et si vous avez des questions à me poser à moi, n'hésitez pas. Mais moi, en tout cas, c'est la première fois que j'arrive à Boléro. On est très bien accueillis. Je connaissais déjà Julie avant, mais un accueil super. Enfin voilà, pour le moment, tout se passe pour le mieux. Fais des petites pauses par moment. J'ai mangé plus qu'à la maison. Un petit foin qui est changé de goût, c'est pas le même que moi d'habitude. Moi je suis pas nourrie, il faut le savoir. Est-ce que tu sens qu'il est plus musclé d'un côté ou pas quand tu masses? Moi je sentais que c'était plus difficile à droite de décoller. Ouais. Partie épaule droite. Mais après dans l'ensemble je trouve que quand même des deux côtés ça se ressemble.
fallait pas avaler ta bouche. Petit massage des oreilles. Ouais. Mais c'est qu'il est chouchouté ce poney. Petit enveloppement de chaleur. Oh, elle est géniale ta couverture. Ça sent bon quoi. Trop enthousiaste. Je suis carrément fan des verres. Quand je vous dis qu'on est bien accueillis ici. On rince les patounes. Ma chouille. Je crois qu'il est un petit peu choqué là. Je crois qu'il comprend pas trop ce qui se passe. Arrête de faire le dragon. N'importe quoi. Hein. Ouais, il est trop bien là. Ouais. Moment détente. Il est rentré impeccable. C'est bon, il s'endort. Hein. Mâchouille et tout. C'est géant. Vu d'en haut, j'adore. Ouais, c'est l'occasion de les voir d'en haut. On a appuyé sur le mode sieste on. J'ai un accompagnant. Ouais. Amélie, elle a mis sur le gazon, c'est le contour des cheveux. T-Roc ? Bon, là, c'est bien lâche. De manège. C'est trop bien la piscine. J'ai envie de bailler mais c'est dur. Hein. Qu'est-ce que tu fais encore, hein? Tu veux voler mon cheval? C'est ça que tu veux me voler? Oui. Voilà, bien. Et oui, bah t'as des pieds. Voilà, il est pas. Et voilà, retour maison. Ah ben. T'as fait tomber la moitié de la carotte, loulou. Chouchou, regarde ce que t'as. Bravo. Ça y est, le départ a sonné. Bon, on est resté un petit moment quand même. On est resté 2 heures, donc c'est trop cool. En plus, il a eu plein de soins. De la balnéo dans les bassins avec les jets et tout. Enfin, vraiment, je pensais pas qu'il allait rentrer du premier coup. Et le mec, mais genre, déterminé comme jamais. Et là pour le retour, il est monté dans le van en 5-6 minutes, donc en vrai ça va, c'est grave bien pour lui. Je suis trop contente. Donc là je vais faire la route, il y en a pour une demi-heure et je vous reprends après à la maison pour faire un petit récap, pour faire une petite vidéo de lui avec ses potes, Kéké et Nono, que vous me demandez tellement souvent. Et puis voilà. Et voilà mon bout de chou, on est bien arrivé à la maison. On va reculer maintenant. Tu nous fais voir ton beau licol, Astras. Doucement. 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 Eh oui, ça y est. Tu as retrouvé les copains. Oh là là. Mon minou. Hop. Et regarde ta carotte. Voilà. Fais pas genre t'aimes pas les carottes. Hein, mon mims. Allez, viens, voir les cops. Non mais... Ils sont par là-bas. Hein. Et bonjour Kékénou. Retour au bercail. Allez, je te libère. Vamos à ta vie de poney. Salut ma nono. Alors, vous avez vu, je vous ai ramené votre pote. Hein? Vous êtes content? Ouf, il est pas parti si longtemps. Hein. Oh ma fille, je vais vous amener des carottes à vous aussi.
Oh là là, ça gratouille toutes ces mouches. Quelle angoisse. Bon ben voilà, toute la petite troupe est réunie. Lui il perd vraiment pas son temps. Il est allé manger direct. Et puis ben nous ben, on va aller ranger le van qui est là-bas. Et puis on va aller se reposer. Et non j'ai rien, mon chat. J'ai rien du tout. Je t'amènerai les carottes après. Bon en tout cas je suis très très contente de cette première expérience parce que c'était la première fois que j'amenais Boléro chez Julie. Et il était super, enfin super détendu, il est rentré dans le bassin, impeccable. Il a profité de sa petite séance de massage, puis après de G au niveau des membres. Enfin bref, c'était vraiment chouette, donc je regrette pas du tout. Et si vous êtes dans le coin, ou même un petit peu de temps de route et tout, sachez que vous pouvez faire vous aussi des cures à vos chevaux. Donc c'est vrai que ça fait vraiment pas du mal pour eux. C'est même des moments plutôt agréables, autant pour eux que pour nous, parce qu'on les voit se détendre et du coup, des fois, bah, ça fait plaisir. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout, préparez-vous pour la vidéo de la semaine prochaine parce que ça va être la folie. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se dit à très vite.